tu connais le pain tunisien spécial pour faire les sandwichs tunisiens. C'est parti. De l'eau, de la levure boulangère, de la semoule, de la farine, de l'huile, du sel. Tu vas pétrir ça pendant environ 5 à 10 minutes, puis tu vas laisser reposer la pâte au moins 2 heures ou toute la nuit. Puis après toute la nuit, ta pâte a bien gonflé. Donc c'est parti, je vais la découper en plusieurs morceaux. Puis je vais bien l'étaler avec un rouleau pâtissier. Dès que c'est bien roulé, je vais la rouler sur elle-même, donc comme un rolls. Puis après, je vais laisser reposer encore la pâte une demi-heure. Après une demi-heure, je vais bien la badigeonner avec de l'eau chaude. J'ajoute des sésames. Je vais faire des coups de lame ou des coups de couteau. J'enfonce ça à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Et voilà du délicieux pain tunisien. N'oublie pas de t'abonner.